Bon, je veux tout de même y adhérer de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon intelligence. Si je dois le croire parce qu'on me dit de le croire, alors je suis très malheureuse et je pense qu'il est malhonnête de mettre de côté les choses qui vous gênent. Quand j'ai découvert l'islam, il y a plus d'un quart de siècle, je l'ai découvert à travers des études. Je ne connaissais pas de musulmans. Je n'avais jamais mis les pieds dans un pays musulman. La première fois que je suis allée en terre d'islam, j'étais musulmane depuis 15 ans. Bon, j'avais donc aucun contact personnel qui puisse m'influencer. Elle est née d'abord d'une famille d'aristocrates. Sa grand-mère était écossaise et anglicane. Et sa grand-mère s'était convertie au catholicisme pour épouser son grand-père. Elle a été plus élevée par sa grand-mère que par ses parents. Elle a été dans des institutions religieuses de haut niveau, les meilleures. D'abord à Boulogne, puis à Paris, près de Notre-Dame. Je n'en sais pas plus que ce qu'elle a écrit dans son livre « L'islam, l'autre visage ». Le seul ouvrage autobiographique d'ailleurs. Elle a été très influencée par cette grand-mère qui était une femme très pieuse et qui détestait le mensonge. Et ça, c'est peut-être un des faits d'Eva, c'est qu'elle ne supportait pas les demi-vérités et ni le mensonge. Après ses études de petite fille et de bonne famille, comme elle était sans doute très brillante, ce qu'elle ne dit jamais, mais qui a frappé tout le monde, elle a entrepris des études de droit. C'était déjà pas tellement courant, les universitaires, à l'époque où nous sommes dans les années 1920, un peu plus tard. Elle est née en 1909, donc 1929 au pire. Pour payer ses études et continuer ses recherches, elle travaille comme secrétaire avec Joliot-Curie. Donc elle se trouve dans un milieu très scientifique, avec cette rigueur scientifique aussi. Du scientifique qui fait des expériences. La guerre éclate et c'est à ce moment-là que, avec l'arrivée des Allemands qui est imminente, il y avait à Paris la seule bouteille d'eau lourde, donc le grand explosif qu'on connaît, et c'est elle qui a été chargée de l'amener en France libre, c'est-à-dire à passer la ligne de démarcation. Elle est partie en quelques heures avec son petit garçon et une bouteille qu'on lui a fourrée dans le sac. Tremblant de peur, elle est arrivée de l'autre côté. Oui, mais après avoir accompli son action de héros sans le savoir, encore fallait-il vivre. Et c'est là qu'elle est restée avec son petit garçon, puisque son mari était à ce moment-là ou parti à la guerre ou déjà prisonnier. Et donc il fallait bien vivre. Et elle a eu une place de documentaliste chez Philips, ce qui l'a amenée à faire 4 ou 10 kilomètres, je ne sais plus, matin et soir, tous les jours, à travailler comme documentaliste là-bas pour pouvoir survivre. Fin de la guerre, elle revient de la France libre. Elle est à bout de force par les privations, par le travail, et décide à ce moment-là de faire une thèse de doctorat sur le symbolisme de Platon. Toujours bien Eva, quand elle faisait quelque chose, ce n'était jamais à moitié, donc symbolisme pour elle, ça voulait dire approfondir la valeur du symbole, et elle a pris 3 ans de psychiatrie pour voir bien la profondeur du sens du mot symbole. Et à ce moment, elle reçoit la visite d'un de ses amis camarades de classe, qui est un Pakistanais, qui était aussi une personne de grande renommée, puisqu'il avait aidé Ali Jinnah à fonder le Pakistan. Elle reçoit de cet ami un livre sur Iqbal, qu'elle ne connaissait absolument pas, qui commence seulement à être un peu connu maintenant. Et commence à lire ce livre et se rend compte que le livre est remarquablement important pour elle. Il s'appelle « Reconstruire la pensée religieuse en islam ». J'aurais pu rester chrétienne qu'en n'étant pas très honnête, c'est-à-dire en mettant entre parenthèses tout ce qui me gênait. Vous voyez, quand j'ai découvert l'islam, je me suis dit qu'il serait honnête, que peut-être étais-je attirée par une autre tradition parce que j'étais trop ignorante de la mienne. J'avais fait évidemment du catéchisme comme tout le monde et puis bon, j'avais un peu laissé tomber comme on dit, n'est-ce pas? Et donc j'avais besoin vraiment d'être au courant de ce qui se faisait au point de vue exégèse, au point de vue recherche, que j'étais un peu dépassée par tout cela.
Et je me suis astreinte à faire 3 ans de théologie chrétienne et d'exégèse en grec sur les textes néo-testamentaires grecs avec un merveilleux professeur de Sorbonne qui était un pasteur protestant. Mais c'était la même chose, enfin, je veux dire. Et donc, c'est vraiment, je crois, avec une conviction profonde que j'ai embrassé l'islam. Je n'aime pas le mot conversion. Vous savez que quand on embrasse l'islam, on n'abjure rien. Donc, elle a vraiment fait sa voix, elle a cherché la vérité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est un proverbe arabe qui dit... non, c'est un proverbe écossais, pour lui faire plaisir, tiens. Celui qui n'a pas eu son puits asséché ne peut pas connaître la valeur de l'eau. Et en fait, elle était un puits asséché. Là, je transcris dans une image qui ne lui appartient pas, mais que je lui donne volontiers. Elle était un puits asséché et quand elle a trouvé l'eau, elle l'a tout de suite reconnue. Et bien sûr, elle l'a tout de suite bu. Elle n'aurait pas pu se satisfaire d'une tradition quelle qu'elle soit, si belle et si prestigieuse qu'elle soit, qui fut un peu fermée ou exclusive. Elle n'en a jamais avancé que quand elle avait des preuves à la fois rationnelles, scientifiques et d'autres cultures. Là, elle disait ça, c'est stable. Et là-dessus, elle avançait. Et elle est avancée petit pas par petit pas, avec, c'est un mot que j'utilise souvent à son sujet, avec scrupule. Quand, malgré sa grande intelligence, elle était arrivée à une idée, elle la remettait encore sur le métier, elle la rediscutait. Tous les visiteurs qu'elle rencontrait reposaient la question, non pas avec angoisse, pas du tout, mais pour être vraiment très sûre de ne pas se fourvoyer, de ne pas prendre de liberté par rapport aux dogmes et aux lois. Donc, quand elle acceptait une forme, elle s'y soumettait complètement, mais ce n'était jamais une forme creuse, c'était toujours une forme pleine de sens. Et si le sens n'était pas plein, il restait toujours une petite réticence. Elle disait, ça s'éclairera peut-être, Inch'Allah, plus tard.